Le programme d'affiliation d'Amazon a quelque chose qui le rend particulièrement compliqué et c'est qu'il est divisé en 16 magasins pour différents pays dans le monde. Qui sont l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la France, l'Allemagne, l'Inde, l'Italie, le Japon, le Mexique, les Pays-Bas, Singapour, l'Espagne, les Émirats arabes unis, les Royaumes-Unis et les États-Unis. Et lorsque vient le temps d'encaisser les bénéfices que tu as faits avec les ventes affiliées dans des magasins Amazon de pays étrangers, eh bien, tu as peut-être remarqué que l'option de déposer l'argent dans ton compte de banque dans ton pays n'est pas disponible, tout simplement parce que chacune de ces boutiques Amazon est gérée comme des entités à part, avec le même nom, et ben, ils veulent tout simplement pas déposer de l'argent dans un pays étranger. Il y a une solution toute simple à ça et ça s'appelle TransferWise. Je t'ai laissé un lien affilié dans la description, alors merci de l'utiliser si tu souhaites t'abonner après que je te l'ai fait découvrir. TransferWise te permet d'ouvrir des comptes banque virtuels à ton propre nom dans plusieurs pays et ce, en moins de 5 minutes. Pour vrai. TransferWise te permet aussi de convertir n'importe quelle devise en n'importe quelle devise au vrai taux de change, le mid-market, celui que tu es capable de voir sur Google, avec un tout petit frais de transaction pour la conversion. Il va aussi te permettre de le déposer dans ton compte de banque, dans ton pays, et ce, en temps de 24 heures. Une fois que tu vas t'être inscrit, tout ce que tu vas avoir à faire, c'est de te rendre dans la section « Balance », appuyer sur le bouton « Ouvrir une balance » et transférer un petit montant, ça peut être 2$ si tu veux, pour ouvrir un compte. Et voilà, c'est tout. C'était pas plus compliqué que ça. Ben oui, si ça a été aussi rapide que ça, c'est parce que avant, j'ai envoyé une photo d'une de mes pièces d'identité pour me faire approuver. Mais ça, ça prend quelques minutes. Ensuite de ça, ben, il te reste juste à utiliser les informations de compte de banque que TransferWise te donne dans le pays dans lequel tu dois faire déposer tes gains de Amazon. Donc, une fois que tu reçois l'argent dans TransferWise, tu vas même recevoir une notification pour te dire que c'est rentré et tu vas pouvoir transférer ça dans ton compte de banque, dans ton pays. Enfin, si tu es dans le domaine de l'affiliation avec Amazon et que tu utilises justement Amazon dans plusieurs pays, je t'invite à jeter un œil à GeniusLink. Ça va te permettre de créer des liens d'affiliation pour Amazon et d'autres services d'affiliation. Et ce qui est bien de ça, c'est que ça va rediriger automatiquement ton audience vers la boutique Amazon de son pays. Encore plus beau que ça, tu as juste à prendre n'importe quel lien Amazon. Tu n'as même pas besoin d'aller générer un lien affilié. Donc, tu prends un lien Amazon d'un produit, tu le donnes à GeniusLink et lui, il va automatiquement générer les liens vers le même produit dans chacune des boutiques Amazon de chacun des pays avec ton lien d'affiliation pour toi. Bien sûr, il n'y a rien de gratuit dans la vie, alors ça coûte un petit quelque chose, mais mes ventes ont tellement explosé depuis que j'utilise le service que ça couvre largement le coût du service. Largement. Utilise mon lien dans la description pour en faire l'essai dès aujourd'hui et mentionne mon nom à l'équipe la première fois qu'ils vont te contacter pour avoir ton premier mois gratuit. Mon nom est Pascal, en passant. Amuse-toi bien! Ben alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ça va t'avoir aidé. Si oui, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. Si tu as des questions à propos de n'importe quel sujet, tu peux m'écrire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de te répondre et je vais peut-être même faire une vidéo juste pour toi. Alors, oublie pas de t'abonner. Et ce que tu vois en arrière, c'est ma chaîne principale. Viens jeter un coup d'œil à ça. Tu devrais aimer ça. Salut!